Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 00 12. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Marie, notre mère, prie pour moi, jeune fille étudiante qui souhaite devenir médecin. Je passe le concours dans quelques jours. Sois avec moi, sois près de moi. Crois en moi, c'est-à-dire je crois en toi. Merci. Sainte Vierge de Lourdes, me revoilà. Je vous en supplie, aidez le petit Noé. Merci, Sainte Vierge de Lourdes. Merci. Notre-Dame de Lourdes, je te confie ma sœur Françoise, très gravement malade. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonjour à vous tous, pèlerins qui êtes ici présents devant la grotte de Notre-Dame de Lourdes. Bonjour à vous que nous saluons, vous qui nous rejoignez par les différents moyens techniques de communication de notre époque. En ce temps pascal, en ce mois de mai consacré à la Vierge Marie, ensemble, prions sur les mystères lumineux. Que les événements de la vie du Christ soient pour nous la lumière véritable qui éclairera toutes les actions de notre vie et guidera nos pas sur le chemin de celui qui est la lumière du monde. En ce jour de la fête des saints apôtres Philippe et Jacques, prions particulièrement pour notre Saint-Père le Pape François, pour nos évêques, les successeurs des apôtres. Prions pour tous ceux qui portent ce prénom. Prions pour nos familles, pour la paix dans le monde, pour les chrétiens persécutés. Prions pour les personnes qui se recommandent spécialement à nous ici, des personnes malades, des personnes en agonie, des personnes qui doutent, qui pleurent, qui subissent les épreuves de la vie. Nous prions particulièrement pour Jacques, Chantal et Daniel et leurs familles, pour Manon, Rosine, Myriam, Virginie, pour Philippe, pour tous ceux qui se recommandent à notre prière auprès de la Vierge Marie de Notre-Dame de Lourdes. Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. En son Fils Jésus, Dieu nous donne tout son amour de Père. Par lui, il fait aussi de chacune et de chacun de nous sa fille ou son fils bien-aimé. Se mettre à l'écoute du Fils, c'est se mettre à l'écoute du Père. Écoutons l'appel du Christ à croire à l'Évangile, sa parole de vie et de vérité, qui est chemin de conversion, chemin de salut. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, en qui le Père met tout son amour, est béni. Sainte
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie, Mère du Sauveur, priez pour nous. Sainte Marie, demeure de l'Esprit Saint, priez pour nous. Sainte Marie, porte du ciel, priez pour nous. Deuxième mystère, les noces de Cana. Marie, la mère de Jésus, était là. Jésus aussi fut invité aux noces. Partout où se trouve Marie, nous sommes sûrs d'y être aussi en présence de Jésus. On ne peut séparer la mère et le fils. Soyons assurés qu'en suivant Marie, nous sommes sur le chemin qui nous conduit au Christ. À l'école de Marie, nous aussi faisons tout ce qu'il nous demande dans l'Évangile et allons à sa suite sur le chemin de la conversion, sur le chemin de l'amour et de la charité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui exauce toujours vos prières, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie, Mère de l'Église, priez pour nous. Sainte Marie, Mère tout aimable, priez pour nous. Sainte Marie, Mère du bon conseil, priez pour nous. Troisième mystère, l'annonce du royaume. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Que votre lumière brille aux yeux des gens, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père des cieux. Le royaume de Dieu est justice, paix, joie dans l'Esprit Saint. Dans la joie de la conversion, accueillons le royaume de Dieu présent au milieu de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui apporte au monde la bonne nouvelle du royaume de Dieu, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie, cause de notre joie, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de la grâce divine, priez pour nous. Sainte Marie, tout aimable, priez pour nous. Quatrième mystère, la transfiguration. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduit à l'écart sur une haute montagne et devant eux, il fut transfiguré. Jésus nous invite à nous aussi à venir avec lui à l'écart par la prière, l'adoration eucharistique, la lecture de sa parole, les sacrements, en particulier l'Eucharistie, afin d'être transfigurés par lui. Sachons, comme la Vierge Marie, gardez et méditez dans nos cœurs tous ces événements, que par notre vie rayonne la joie de notre foi et rayonne le Christ que nous portons en nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, transfiguré, nous révèle la gloire future. Il est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Marie, Mère du Christ, priez pour nous. Sainte Marie, consolatrice des affligés, priez pour nous. Cinquième mystère, l'institution de l'Eucharistie. C'est mon Père qui vous le donne, le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. C'est moi, le pain de la vie. Demandons à la Vierge Marie, la mère du pain de vie, de nous donner sans cesse faim du Christ présent dans l'Eucharistie. Confions-lui tout particulièrement tous les enfants qui se préparent à la première communion, ainsi que les adultes. Que le Christ ressuscité, qui demeure en nous par la communion, nous accompagne sur le chemin de la vie, sur le chemin de la conversion, sur le chemin de l'espérance. Prions pour les prêtres, prions pour les diacres, prions pour tous ceux et celles qui portent la communion, à leurs frères et sœurs malades, personnes isolées ou en prison. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, le vrai pain descendu du ciel, qui donne la vie éternelle, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sainte Marie, arche de la nouvelle alliance, priez pour nous. Sainte Marie, vase spirituel, priez pour nous. Sainte Marie, porte du ciel, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu nous réjouis chaque année par la fête des saints apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous à leur prière, unie à celle de la Vierge Marie, d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils bien-aimé, afin de parvenir à la contemplation de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, le Dieu Tout-Puissant en amour et miséricorde, vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Reine des apôtres, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Saint Philippe et Saint Jacques, priez pour nous. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu. Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas. Nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie.
par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Qui a cru chercher avec toi dans nos vies les parts de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir dans nos vies le don de Dieu, Vierge Marie. Frères et sœurs, nous sommes, ne l'oublions pas, dans ce mois de mai, qui est le mois consacré à la Vierge Marie. C'est peut-être l'occasion de nous redire qui est Marie, qui est cette femme unique au monde parmi toutes les femmes. Marie, elle est de notre famille. Marie, elle est de notre nature humaine. Mais Marie, par une grâce particulière, due à la passion du Christ, à son précieux sang, à sa croix, Marie a été préservée par l'amour de Dieu, de tout péché et de la teinte de Satan. Satan n'a eu aucun pouvoir sur Marie, donc elle n'a jamais été touchée ni abîmée par le péché originel. Mais cela, c'était en vue de donner vie à un homme parfait, lui aussi préservé de tout péché, le Christ, le Fils de Dieu. Alors voilà pourquoi Marie, créature humaine, a eu ce privilège, cette grâce d'être l'Immaculée, la toute pure, par ses parents. Dès l'instant de sa conception, Marie, par la grâce de Dieu, a été préservée du péché originel. Or, il se trouve que ce dogme de l'Immaculée Conception, pour nous, a été déclaré par le pape Pie IX, le pape des apparitions de Lourdes, mais en 1854. Depuis longtemps, depuis les premiers siècles, l'Église croyait que Marie était immaculée, qu'elle avait eu cette grâce. Mais jusque-là, aucun pape n'avait jamais osé déclarer que Marie était vraiment la toute pure, l'immaculée. Quelque temps auparavant, il y eut les apparitions à la rue du Bac, et Marie demande de faire graver cette médaille qui protège et sur laquelle elle devait faire inscrire « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Quelques années plus tard, à Ars, le Saint-Curé d'Ars consacra toute sa paroisse au cœur immaculé de Marie. Si vous avez la grâce d'aller à Ars, ce petit village à côté de Lyon, dans la petite chapelle consacrée à la Vierge Marie, sur la statue en bois doré, vous verrez suspendu au cou de la Vierge ce cœur doré dans lequel le Saint-Curé d'Ars a fait inscrire le nom de tous les paroissiens de son village. Et en 1854, le 8 décembre, le pape Pie IX déclare que Marie est vraiment l'Immaculée, la toute pure. Or, 4 ans après, ici, là où elle se trouve représentée par sa statue, 4 ans après la déclaration du dogme, Marie vient déclarer à la petite Bernadette qui 4 fois lui demande « Madame, voulez-vous me dire votre nom ?» Et Bernadette dit, la dame riait et souriait, à la 4e fois, elle ouvre les bras, elle lève les yeux au ciel, elle joint les mains et elle lui déclare « Que soy era immaculada concepciu » « Je suis l'Immaculée Conception. » Tiens, 4 ans après la déclaration du pape Pie IX,
Marie vient affirmer ce dogme. Que veut nous dire Marie? Eh bien, il se trouve que cette année, Lourdes a choisi comme thème de réflexion la parole de Marie à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Qui? Lui, Jésus, mon fils, le fils de Dieu, la parole faite chair, la parole de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. Écoutez-le, je vous en supplie. Écoutez, mon fils. Oui, Marie, c'est bien joli, mais où il me parle? Comment je peux savoir ce qu'il me dit? Eh bien, le pape François ne cesse de nous le rappeler très souvent. Ouvre l'évangile. Et c'est là que Jésus te parle. Ouvre l'évangile. Frères et sœurs, il faudrait que nous ayons l'honnêteté et le courage de nous demander combien de temps dans ma journée je donne à des lectures parfois qui n'apportent rien, à mes ordinateurs, mes écrans de télévision, mes sacro-saints feuilletons indispensables, mes téléphones portables, mes jeux vidéo. Combien de temps je passe chaque jour et combien de temps je donne à Dieu, à sa parole. Oui, frères et sœurs, il faut qu'on se le dise, à moi le premier, c'est un péché si chaque jour je ne passe pas plusieurs minutes avec la parole de Dieu, c'est-à-dire avec ma Bible ou au moins avec l'Évangile. C'est quand même grave que nous n'ayons pas faim et soif de la parole de Dieu alors que nous passons tant de temps à des choses qui nous rabaissent parfois au ras des pâquerettes et même plus bas. Je vous conseille de lire les lettres à Timothée. Viendra un temps, viendra une époque où les hommes abandonneront la parole de vie et de vérité, sous-entendu la parole de Dieu, pour des paroles d'hommes mensongères et hypocrites qui leur feront perdre la foi et qui les conduiront à la mort. Eh bien, nous y sommes. Aujourd'hui, même des chrétiens écoutent les mensonges et les idées du monde d'aujourd'hui, à tel point que les chrétiens arrivent à dire « Après tout, tout est bien, tout est bon, tout est permis, le péché, ça n'existe plus, on peut vivre comme on veut, on peut faire ce qu'on veut. » Ils ont abandonné la parole de vie et de vérité pour des paroles d'hommes mensongères qui leur font perdre la foi. Ne nous étonnons pas si nos églises sont vides. C'est parce que nous nous sommes dessalés. Nous ne nous nourrissons plus de la parole de Dieu. Nous écoutons les mensonges du monde, les paroles d'hommes qui ne nous apporteront jamais grand-chose. Et la parole de Dieu, nous la laissons tomber. La parole de vie, de vérité. Dieu ne se moque pas de moi. Dieu ne ment pas. Et il parle à mon cœur. Alors, frères et sœurs, Marie nous dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Sous-entendu, Marie nous dit, reviens à l'évangile et je vais vous en donner une autre preuve. Lorsque ici Bernadette s'avance près de l'apparition en lui montrant une feuille de papier, une plume et un encrier, et elle demande, « Madame, voulez-vous écrire votre nom? Voulez-vous écrire ce que vous voulez ?» Et la Vierge Marie lui répond ceci, « Bernadette, ce que j'ai ici à dire, il n'est pas nécessaire de le mettre par écrit. Pourquoi ? Parce que Marie nous dit, « C'est déjà écrit. » Où ? Dans la Bible. Autrement dit, Marie me dit, « Reviens à la parole de Dieu. » Ouvre ta Bible, nourris-toi chaque jour de la parole de Dieu. Lis, relis, médite l'Évangile. Laisse cette parole rentrer dans ton cœur, qu'elle fortifie ta foi. Voilà ce message de Lourdes. Marie nous ramène à la parole de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est écrit dans l'Évangile, c'est écrit dans la Bible. Alors, écoutons cette parole. Mettons-la en pratique. Rappelez-vous, lorsqu'une femme dans la foule loue la Vierge Marie. Ah, quelle chance elle a, cette femme. Quelle chance elle a. Bienheureuse est-elle, Marie, d'avoir mis au monde un tel fils, un tel homme. Et Jésus va répondre, non, Marie n'est pas bienheureuse parce qu'elle est ma mère, mais elle est bienheureuse parce qu'elle a entendu la parole de Dieu, elle l'a écoutée et elle l'a mise en pratique. Alors, Marie nous demande d'écouter la parole du Christ, de revenir à cette parole sainte, cette parole de vie et de vérité qui ne nous trompera jamais, qui ne nous conduira jamais à la désillusion.
Et puis Marie est apparue à Lourdes comme elle est représentée, mais elle est apparue avec un objet très dangereux. C'est pour ça que beaucoup ne l'ont pas, et surtout, c'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de parents n'osent pas offrir à leur enfant cet objet. Ils préfèrent parfois leur offrir un couteau ou des jeux de guerre que de leur offrir un chapelet. Marie est apparue chaque fois avec un chapelet. Et pendant que Bernadette, à genoux ici, priait le chapelet, elle dira, pendant ce temps, la dame égrenait le chapelet. Bien sûr, elle ne disait rien, elle ne pouvait pas se prier elle-même. Mais elle était en train de dire à Bernadette, « Oui, Bernadette, dis-le au monde, la prière qui me plaît le plus, c'est la prière qu'on me fait en récitant le chapelet. » Bernadette disait, « Le chapelet, c'est comme un enfant qui dit toujours « Maman, maman, maman !» Voilà, c'est la prière des pauvres, des petits, des cœurs simples, de ceux qui souvent ne peuvent plus prier. Bernadette ne connaissait que trois prières, le Notre Père, le Je vous salue Marie et sa profession de foi, le Je crois en Dieu. Marie, Bernadette priait tous les jours Marie et elle a dit, celui qui prie la Vierge Marie tous les jours n'a plus à avoir peur, n'a rien à craindre. Alors, en venant ici à Lourdes, avec un chapelet à son bras, Marie nous dit, c'est la prière que j'accueille le mieux. C'est la plus belle prière que vous pouvez me faire. Vous rappelez l'annonce par l'ange Gabriel, je te salue comme l'aide de grâce. Vous me rappelez la rencontre avec Élisabeth, bienheureuse celle qui a cru, bénis le fruit de tes entrailles. Et en même temps, vous me demandez de prier pour vous, pauvres pécheurs. Et c'est ce qu'elle a fait, Marie. Où est la réponse de nos chapelets ? La réponse de nos chapelets, elle a été donnée au calvaire. Marie était au pied de la croix. Qu'est-ce qu'elle faisait au pied de la croix il y a 2000 ans ? Eh bien, Marie était en train d'intercéder pour nous, pauvres pécheurs, comme on le lui demande chaque jour avec le chapelet. Et au pied de la croix, elle a supplié son fils. « Ô mon fils, chaque jour, ils m'ont dit, ils me diront, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, là, au pied de la croix, intercède pour nous auprès de ton fils. » Et la réponse, Jésus l'a crié tout fort, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors vous voyez l'importance du chapelet. Le chapelet obtient des grâces extraordinaires. Et Marie a promis des grâces particulières aux époux, aux parents qui prieront le soir le chapelet avec leurs enfants. Le mois de mai, c'est l'occasion de reprendre le chapelet en couple, en famille, ne serait-ce qu'une dizaine de chapelets chaque soir. Et vous verrez que la Vierge Marie vous protégera. Elle vous accordera des grâces extraordinaires. Le chapelet, je vous le certifie, est une arme efficace, beaucoup plus efficace qu'une bombe atomique. Faites-en l'expérience. Voilà. Pourquoi faut-il prier Marie ? La réponse est au calvaire. Quand Jésus, en train de mourir à cause de mes péchés, cloué sur la croix par mes péchés, au lieu de me haïr, de me rejeter, de se venger, de me punir, il va nous donner le plus beau des cadeaux qu'on puisse avoir sur terre. Il va nous donner une maman. Marie nous accueille. Femme, voici tes enfants. Et à nous, il dit, voici ta mère. Sous-entendu, prends-la chez toi, prends-la avec toi chaque jour. Si Jésus, au pied de la croix, nous a donné Marie pour mère, c'est qu'il y a une raison très importante. Il sait que nous avons besoin de cette mère du ciel. Elle est l'ascenseur, elle est l'échelle par laquelle le Christ est descendu sur terre au milieu de nous. Et maintenant, c'est par cette échelle, par la Vierge Marie, que nous allons remonter au Christ. Et le Christ nous conduira au Père. Voilà pourquoi il faut prier la Vierge Marie.